On est-tu bien dans la Mac à papa? Oui. On est bien parce qu'il fait pas mal moins chaud qu'une place. Ouais. C'est vrai, il fait chaud dans la chaîne à soir aujourd'hui. Mais hein. Même si dehors, là, il y a des maringouins. Comment ça qu'il fait aussi chaud que ça dans la chaîne et qu'il faut qu'on sorte dehors? Devine, on reçoit quelqu'un. Mais qui qu'on reçoit? On reçoit l'oiselle. Ah ben? Étoile filante, je me rappellerai toujours le jour où j'ai passé la nuit à croire. Il s'agit juste de regarder le ciel pour arriver à tout avoir. Arriver comme un sourire avant de l'être, comme mon excuse avant la faute, comme le silence avant qu'on tourne. T'es arrivé à cause d'un vœu. Ma selle au bois dormant et ma surprise de temps de tour. Mon soleil les yeux fermés, t'es le remède au désamour. À Paris comme parole qui manque au fond, comme une histoire à inventer, comme mon secret de moi gardé. Et arrivé à cause d'un vœu, à cause d'un vœu des points filants. Loiselle. Enchanté. Bienvenue, Loiselle. Salut, Seb. Ça va? Ça va super bien, ouais. Toi. Bienvenue dans notre shed. On est à l'extérieur de la shed parce qu'il fait bien trop chaud dans la shed. Toi, Loiselle, tu fais de la musique depuis longtemps? À l'adolescence, là, j'ai commencé comme tout bon copain à prendre une guitare dans mes mains puis essayer quelques accords avec les amis à l'école. Puis j'ai été élevé dans le milieu des bars. Mon père avait un hôtel qui faisait venir des orchestres du mardi au dimanche. Le dimanche après-midi, ça jouait, puis j'aidais les gars à s'installer, puis ils me montraient des petites affaires, puis j'ai toujours été dans le monde musical, ma famille aussi. T'as eu ton baptême de la scène de bonheur. Ouais, ouais.
Fait qu'à un moment donné, ben, je me suis lancé de mes propres ailes à mon tour, moi aussi, puis essayer de faire. Puis j'imagine que tu as fait un bout des covers, puis les compos sont arrivés à quel moment dans ta vie musicale? Ben, c'était en collaboration avec un bon ami, Pierre Routier, qui est encore là dans ma vie, puis qui va l'être pour l'éternité, je crois. Il t'aide à écrire. Ouais, puis c'est un philosophe à 16 heures, puis écrivain. À tous les matins, fait que on partage bien des choses ensemble, puis comme les deux compos qu'on a fait, ben, ça vient de lui, puis on a travaillé ensemble par rapport à ça. J'ai fait la musique, puis Pierre a composé, puis sur des idées qu'on avait, puis c'est ça. Ce train va loin. Parlons-en de ces deux chansons-là qu'on fait aujourd'hui. Ben ouais. Tu pourrais-tu un peu nous décrire un peu les contextes de chacune de ces tunes-là? Ben oui, certain. Il y a, à cause d'un vœu d'étoile filante, qui a été écrit il y a 20 ans, cette chanson-là. C'est, on l'écrit pour la naissance de Kayla. C'est une petite fille qui est rendue aujourd'hui à 20 ans. Puis que j'ai toujours gardé, puis je la dédie à ma fille depuis le temps. Puis depuis que ma fille de Rose qui est rendue à 8 ans aujourd'hui, ben, toutes les fois je la chante, ben, j'ai un petit clin d'œil à elle. Puis l'autre, ben, Believe Me Jesus is My Friend, c'était. Là, quelques années, c'était comme. C'était le clin d'œil à George W. Bush qui avait dit que qu'il y avait Jésus dans son cercle d'amis à un moment donné. Il s'est échappé à la télé, puis il y avait plein d'histoires de religion, que, tu sais, que ça n'arrêtait pas, puis ça sortait, néo-religion et tout. Fait que, on a parti un clin d'œil là-dessus pour dire regarde. Ouais, ça, tu brosses assez large. Là. Tu parles autant de Raël que des... En général, les croyances, les religions. Ça, les croyances populaires, puis tout ça. C'est un peu mêlant, des fois. Et puis aujourd'hui, tu es venu ici avec un bon ami à nous autres et à toi, Patrick Picard, ben à la base. Lui, t'accompagne en show, j'imagine. Ouais, ben oui, ça fait, je pense, ça doit faire une douzaine d'années là, qu'il partage la scène avec moi. Je l'ai apporté en Suisse il y a une dizaine d'années. On va retourner bientôt. Moi, je vais toutes les années là, faire quelques spectacles là. Puis, chanteur international. Oui, ben, j'ai un bon ami qui est là, qui vient de la région, qui m'a invité justement. J'ai fêté mon 10e l'an passé à Morgin, en Suisse. Puis, fait que c'est ça. Ben moi, Loisel, je suis encore très heureux de t'avoir reçu. Ben, moi aussi, mon Francis, c'est un plaisir. C'est merci d'être venu réchauffer notre shed. Ouais, c'était très cool. Ouais, quoi qu'à ce temps-ci de l'année, elle se tient chaud quand même tout seul, mais. C'est la belle chaleur. Et bonne chance dans tes projets qui s'en viennent. Ouais. Ben, merci beaucoup. À bientôt. Bon, on partage la passion, hein, dans le fond. Ouais. C'est ça qui est important. Je dis sans brûler les sorcières, elles étaient le mal incarné. Mais aujourd'hui n'est plus hier, elles sont médiums qu'il faut payer. Communiquant avec les esprits, des vies karmiques sont mélangées. Voyage astral pour le même prix, science incluse pour apporter. Viens mon monde, belle et blanche, soin. Believe me, Jesus is my friend. My friend. Mange pas de viande le vendredi, tourne vers la messe tous les midis. Ne rentre pas dans la luxure, oublie de penser. Transcendantale, l'église en pierre, philosophale. Dans les pages, on choisit ta secte. Ils prennent des hommes, mais pas l'échec. De porte à porte, la fin se met. Believe me, Jesus is my friend. My friend. Viens mon monde, verre et blanc, reçois bénédicte commandement. As-tu le bout d'or et peine la dette, believe me, Jesus is my friend.
Jesus is my friend. Hey là, je vais tuer des maringouins, moi, pendant cette émission-là. Ouais. On a un ami écureuil! Ouais, probablement qu'on a, volé son spot. Yeah! C'est bon! Ready? Ah, ça, c'est ready. Oui. Juste comme tu recommences à chanter. Ouais. Ouais. Bah, pas le tch. T'as l'air avec ta bouche? C'est comment que ça commence? Commencement. Quand t'es prêt? Pas mal prêt, ouais. Ouais? Ben, depuis longtemps. C'était une question, en fait.